J'ai fait un peu une collection des meilleurs commentaires Facebook ou YouTube ou commentaires de la vie que j'ai pu recevoir. Les gens aiment trop faire des commentaires et ils sont rigolos. J'ai fait une sélection des meilleurs pour moi. Y a, quand tu annonces une date de tournée, et je pense qu'il y en a dans la salle qui font ça, arrêtez de faire ça. Quand tu annonces une date, tu dis « je vais venir à Bordeaux », il y en a qui font « ah, moi je suis pas là hein. ». Ah, vraiment, on sent pas fort les couilles, je sais même pas qui t'es en fait. Il y a vraiment mathématiquement plus de gens qui vont pas venir que de gens qui vont venir. Est-ce que t'es au courant de ça? Donc si on pouvait procéder à l'inverse, que faire un quiz pour savoir qui va être dans ma salle, c'est relou. Alors toi t'es pas nain, il reste Robert. Je rentre en scène, put your lighters up. Oulala, j'ai du Laurine, du Wyclef Jean. Commentaire. Exposé, analyse, interprétation d'une nouvelle, d'un match, d'une cérémonie. Ça, j'adore ce truc-là. Arrêtez de faire ça aussi. Quand vous... Sur ton mur, il y a deux personnes, peut-être tu mets une vidéo, et dans les commentaires, il y a deux personnes qui parlent de toi. Il y a quelqu'un qui envoie à l'autre, « Hey, tu viens, on va la voir !» Et l'autre qui répond, « Moi, j'aime pas trop. » Et c'est sur ton mur, tu vois. C'est comme si t'es chez Watt, et les gens ils parlent mal de toi chez Watt. Comme si t'étais pas là. T'as vu comment elle est pas marrante, la meuf? Ouais, de ouf. Je suis là. Je vous entends, j'ai l'impression d'être morte. D'entendre des gens parler mal de moi, les bâtards. Ce commentaire est bon ouf. Quand tu reçois le message d'une vanne ratée, alors ça, c'est des gens, ils font des commentaires ratés. Tu sais, des vannes ratées, ils t'envoient genre « Ah non, on a toujours pas changé de métier !» Et moi, je suis une caïra. Vraiment, j'envoie des MP, je fais « C'est quoi ton problème ?» Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui me redonne. Toujours, quelqu'un te répond « Non, mais je rigole, je t'adore en plus !» T'es là, mais elle est où la vanne en fait? Pardon. Tu sais, ce genre de mec qui drague mal dans la rue, qui dit « Hey, salope !» Tu vas crier harcèlement, il fait c'est bon, on peut plus draguer quoi. C'est incroyable. Quand tu reçois un message raciste, un très beau commentaire raciste sur une vidéo YouTube, écoutez celui-là, il est extraordinaire. Quel meilleur combat que le singe et les nègres dans leur stupidité. Oui, j'ai reçu ça. Vraiment, j'étais là. Ah oh là là. Un raciste intelligent, c'est bien tourné quand même. J'aime beaucoup cette phrase. Quel meilleur, j'aime beaucoup. Et c'est ouf parce que en fait, ce qui m'a vraiment rendu ouf, c'est que j'ai essayé de porter plainte contre ce gars. J'ai appelé une avocate, elle m'a dit « Ok, on va essayer de constituer un dossier, mais vraiment, il n'y a qu'un commentaire du gars, ça va être compliqué, vous allez perdre beaucoup d'argent pour pas grand-chose. » Alors on le fait ou pas? Bah non, en fait, hein, je vais pas me faire insulter en payant en plus. Je préfère me faire insulter gratuitement, merci, ça va bien. Quand tu reçois un message en morse qui demande à l'aide, « Soignons ça, là, c'est un garçon, ou c'est une femme, parce que je comprends rien, aidez-moi à comprendre ce que je veux pas comprendre. » Quand tu reçois une réponse plus claire au commentaire précédent, on dirait un homme, trois petits points. Quand tu reçois un message encore plus clair, c'est un gars ou une fille, en tout cas c'est vachement bien, bravo. Ce qui est assez bizarre quand même, c'est qu'il a dit bravo après. Peut-être que c'est nul si je suis une fille, tu vois. Je suis une fille, ah bah c'est de la merde en fait, on aime pas. Et la dernière fois, ça m'a rendu, parce que souvent, j'ai énormément, mais énormément de gens qui se disputent sous les commentaires YouTube, Facebook, etc. Non, c'est un mec, c'est une meuf, c'est quoi, on comprend pas. D'autres qui sont là, on s'en bat les couilles, ils sont là, on veut savoir. Et la dernière fois, je réponds, tu vois. Et la meuf, il me fait, mais c'est quoi? Ça les rend ouf, les gens. Je me dis, mais tu vois, tu veux qu'on couche ensemble, pourquoi? Et tout de suite, elle me fait, oh, tout de suite, la perverse. Les gens sont malades. C'est toi qui me parles de ce qu'il y a dans mon pantalon, on est d'accord ou quoi? Ah, je te jure. Commentaire. Exposé, analyse, interprétation d'une nouvelle, d'un match, d'une cérémonie, d'une vidéo YouTube, d'un sketch, d'un sexe, d'une sexualité, d'une couleur de peau, vous jugez vraiment beaucoup trop, hein. Si toi aussi t'aimes bien commenter tout et n'importe quoi, ben c'est le moment. Abonne-toi.